indépendante de la volonté de Gabon Télécom sont dues à la dégradation de la qualité de service du câble sous-marin SAT-3 à Accra au Ghana. Gabon Télécom présente ses sincères excuses à ses abonnés et les assure de la célérité que ses équipes techniques mettent actuellement en œuvre pour rétablir le fonctionnement optimal de ses services éventuellement dans la journée du vendredi 27 septembre 2013. Et puis le bureau central du recensement informe tous les candidats en forme.